Salut à tous, amis, viewers, bonsoir la Terre, épisode 4 de Tom Rector, j'espère que vous allez bien, j'ai détruit juste la lumière qui était juste devant nous. Est-ce qu'on va réussir à trouver cette fameuse tour météo? Je l'espère, en tout cas on va continuer à avancer. Certaines personnes ont dit que j'étais nul à chier au tir, bien je crois que l'épisode 3 leur a fait complètement changé d'avis vu le magnifique triple shoot silencieux que j'ai mis dans la gueule de ces messieurs. Bon, d'accord, après je me suis fait voir comme une merde à cause d'un mec qui était dans l'entrebâillement de la porte. Je suis un peu dégoûté, je dois vous l'avouer, mais bon, on s'en sort bien. Seconde guerre mondiale. Bunker, seconde guerre mondiale. Ah ouais, d'accord, japonais. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, les japonais, sur une île où il fait que des tempêtes et... What the fuck, quoi? Oh! Ça gèle! What? C'est quoi cet endroit, là? Waouh! Alors, j'ai dû reprendre une sauvegarde un peu antérieure parce que j'ai eu quelques petits problèmes. Alors, je sais pas si j'ai augmenté les bons trucs, du coup. Lecture! Vous me direz ça dans les commentaires, hein. Lisez-en, c'est important, hein. C'est bon pour vous. Hop, on va... appuyer sur ça, je suppose que ça retire le gaz. Exactement. Allez, on y va, on avance. On se met bien. Attention, attention, c'est rempli d'essence. Ah oui. Pourquoi ils ont besoin de ça? Pegas! Vous avez vu comment j'ai chopé le petit rat là, comme ça, au calme? Bon d'accord, c'était pour me la péter, ça a usé une flèche pour rien. Mais quand même, c'est la classe. Ça me va. On bouge. Prends à viser mon gars. Quand même. Oh, on peut récupérer des trucs sur les rats? Moi, j'ai rien récupéré du tout, mais... Ah, on va prendre quelques matériaux au calme. C'était juste de l'XP, c'était de la merde. Ok, rien d'intéressant ici. Ici. Ici il y avait un truc. Bien. On a bien fait de fouiller un petit peu. Je sais pas ce qu'il y a quoi là-dedans. Des matériaux. Plus 50 matériaux, c'est nice. Non, franchement, c'est nice, c'est bien. Pas mal de trucs. Ouf. Ouf. Masse matériaux là. On se met bien. On se met bien. On va continuer à avancer. Ok, y'a personne. Oh, j'ai rien dit, y'a quelqu'un. Parfait. On commence à gérer, là. On commence à connaître le truc. On va passer par l'endroit où il est passé. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, ça? Une lampe? Pourquoi faire? Faut le lancer là-dedans? Ouais, ok, j'ai pas compris. Je sais pas à quoi servait la lampe. Peut-être qu'elle servira à quelque chose au bout d'un moment. Pour le moment, je ne vois pas du tout à quoi elle pourrait servir. Qu'est-ce qu'on doit faire, là? Quoi, on va activer... Oh, merde! Ok, ok, ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, donc là il y a du gaz. Ok, et on va devoir lancer. Ok, bah c'était tout bête, hein. Oh là là, l'énigme de fou. Hey, et boum. Ok, c'était un gros boom. Oh merde, oh la vache. Ah bah le mec il est mort là. Ah non, le mec est toujours en vie, quoi. Ah, une nouvelle arme. Bien. Bien, bien, bien. Achève-moi. Oh, avec plaisir. Va en enfer. Mais non, attends, il nous donne 20 points, on va pas se plaindre. Ah, lecture. Mettez pause, hein, lisez, hein, c'est important. Moi je le fais pendant les uploads. Oui, 20 points le mec, on va pas se plaindre. Donc maintenant on a une mitraillette. C'est une mitraillette, ça? Ça a l'air d'être une mitraillette. Wow. Oh.
recharger. Oh, ça vise mal. Non. Non, non. Ok. Ok. On recharge. Ok, dans la tête. Dans la tête. Ok. Ouh, le bon coup de flip, bien comme il faut. Mais c'est bon. On s'en sort plutôt pas mal. Masse munitions, masse matériaux. On est bien là. On se met bien là. Le père Mathias nous libérera. De quoi? De cette île? Le père Mathias. J'espère que c'est pas le même Mathias qu'il y avait au début du jeu. Je fouille un petit peu la zone, vite fait, je me dépêche. C'est juste qu'il y a tellement de trucs à récupérer là. C'est trop rentable. J'ai fait un carton au début quoi, j'ai vu tout le monde, je fais oh, ralenti, boum boum boum. Hop, ça c'est pas mal. Et là, il y a un feu de camp. Oui! Elle voulait sauter dans le feu en fait. Heureusement que Ross m'avait préparé. Non, je voyage rapidement. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade, c'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ça, je l'avais déjà monté, je crois. Ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénèrent-ils? Que veulent-ils? Que cherchent-ils? Bon, voilà. Merci Lara. Alors je crois que ça je l'avais déjà monté. Je vais le monter hein, pour avoir plus de temps pour viser avec l'arc. Je crois que j'avais monté ça. Bah oui, ça je l'avais monté. Complètement. J'avais complètement monté ça. Oui, bah oui, j'avais monté ça. Oui, j'ai dû revenir à une sauvegarde antérieure. Donc j'ai dû refaire tout le jeu. Ah ça c'est pas mal ça. Fouiller attentivement les cadavres pour avoir... Ah non, mais c'est les cadavres d'animaux. Ah non, c'est nul. C'est nul, je voulais pas apprendre ça. Bon, tant pis, j'ai appris ça un peu. Ah non, ouais, c'est ça que je voulais apprendre. Merde. Ah, c'est la merde. Bon, c'est pas grave, on va améliorer quand même les équipements. Ça c'est pas mal, non? Stabilité de l'arme. Allez, on va faire la stabilité de l'arme. Ça m'a l'air pas mal. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer d'autre? Ça, on l'avait pas amélioré non plus? Si, on l'avait amélioré. Ah, oh, il me manque tellement de trucs, en fait. Ok, donc en fait, j'ai rien pu améliorer parce que je suis tellement revenu en arrière et j'ai tellement loupé des trucs que... Bah, c'est bien, ça met du challenge. Vous voyez, ça met du challenge. C'est pas grave. Allez, go, on est parti. On se met bien. On est chaud patate. Ouh. Bonjour. Non mais moi. Voilà. Je cherche je cherche le tir dans la tête pour avoir. Pour avoir plus de points. Parce que j'aime les points. Ah, c'est la salle de commande là. Bien. Ouh, il m'a l'air un peu cassé le truc. Ah oui, il est bien cassé le truc. Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok. Ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin... du genre... tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. Quoi? Oh non. Oh non, c'est une blague. Oh non, c'est une putain de blague. Oh mais on va mourir.
Faut monter tout en haut de la tour. Ah, lecture. N'oubliez pas de lire, c'est important. Mangez-en. Bon, bah très bien. Bah écoutez, bah, on va y aller. Oula. Oh. Ouh, c'est chaud. Oh, c'est la merde. Oh, j'ai mal pour elle. J'espère que ça marchera après tout ça. Wow. J'ai peur d'un QTE là qui va arriver là. Ou pas, hein, ou pas. En fait, il y avait rien du tout, que dalle. What? Il y a de la neige? De la neige? C'est pas normal. Ah oui, d'accord. Même elle est choquée. Ah oui, parce que je me disais, what the fuck, quoi? C'est quoi le bordel? Ah, un camp. Très bien. Bon, 70 matériaux, on va pas aller loin. Je vous le dis tout de suite. On va continuer à avancer. Ça nous fait un point de sauvegarde en plus, c'est bien. Alors, j'ai appris qu'on pouvait faire l'instinct de survie avec LB, histoire de voir les trucs. Bon, là, c'est pas intéressant, mais... Ça nous permet de voir les caches de matériaux. Oh! Putain, lâche-moi! Non! Vieux QTO de merde! Non! Pas vieux QTO de merde! Non! J'ai survécu au QTO. Merde, par contre, là, il y a plein de gens. Merde! Mais combien ils sont? Touché! Allez, sors ta tête. Sors ta tête, salaud! Allez! Oh là là, quel beau gosse. Ah merde, je l'ai raté. Reste calme. Concentre-toi. Il avance. Putain! Un chargeur, quoi! Pharrell, réveille-toi un petit peu! Pose-toi les bonnes questions dans ta vie. Oula. Genre il me touchait quoi. Mais genre le mec là, je vais crever là par contre. Voilà, tire dans la tête même si c'était dans le cou. Moi je me bats. Mais genre, t'étais bien caché mon gars hein. Oh, je ramasse des oranges. C'est pratique ça. Oh, tu m'as raté. Tu m'as encore raté. Et moi je tire dans le métal et ça rebondit sur les autres métaux. Ensuite ça va jusqu'à la tour radio et ça revient dans ta tête. Voilà. Comme ça qu'on joue à un jeu vidéo, bordel. Quoi? Il y a encore des gens? C'est une blague. Ah oui, là. Allez! Comment je me la pète? Bon là, il devrait plus y avoir personne là. On est bon là, non? Ça a l'air pas mal. Alors par contre je sais pas du tout par où faut aller. Pas par là en tout cas. Je sais pas par où on doit aller par contre. Ah oui d'accord, ok. Un petit tir dans la tête au calme. Un deuxième tir dans la tête au calme. Oula. Voilà! Eh ben, on s'en sort très très bien! Ok, bon, j'ai rien dit, c'est grave la merde. Wow! Le mec, quoi! Ok, on a trouvé une pierre invisible. Ok, on se met bien. Ça le fait. Oh merde.
Voilà, tu te calmes, hein, tu te calmes. Non ! Pas les cocktails Molotov ! Vous savez que le feu, ça me va pas ! Ça me fait pas beau, autain ! Aïe ! Je brûle ! Non, mais hé hey ! Mais sortez de votre cachette un jour aussi, que je puisse vous tuer ! Mais c'est une blague aussi ! Mais putain ! C'est une blague, ce jeu ! Et sortez de votre cachette, bon sang ! Je sautille pour éviter les cocktails Molotov. Allez, sors de ta cachette. C'est que c'est toi qui sors en premier. Voilà, maintenant toi tu vas sortir. Ou pas, tu t'es pris une balle dans la tête. Très bien. Est-ce qu'il y a des trucs là? Ah merde, il y a des trucs à récupérer là. Attendez les gens. Ah bah il y a lecture. Ça parlait des Solari. Je sais pas ce que c'est. Mais ça avait l'air intéressant quand même. J'adore quand elle fait ça. Bah... Ah oui, d'accord, ah oui. J'ai failli mourir. Vous vous rendez compte? Ok, on récupère ça, on récupère ça. Dégagez de là! Elle est à moi! Tu peux le faire. Comment je fais là? Ah bon. Ok. Ok, ok, facile, facile. Un sur deux pièces d'un arc. Okay. Je suis en vie. Ah ouais, Lara, putain, l'instinct quoi. Je suis en vie. Genre MacGyver quoi. Ah, des oranges. Bah, c'est des oignons. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. On s'en est plutôt bien sorti, je trouve. On s'en est même grave bien tiré en fait. Un sur pièce d'un arc, par contre, j'ai pas trop compris. Peut-être que c'est pour avoir un nouvel arc. Je sais pas. On verra bien. On va ramasser un maximum de trucs. Ah, voilà, très bien. On a 418 matériaux. On va pouvoir peut-être améliorer quand même notre arme, hein, un petit peu, histoire qu'il soit à plus puissant. J'espère qu'il peut être plus puissant. Par contre, ok, je fais le tour là. Je fais n'importe quoi. Il y a un truc là? Ah non, il y a rien. C'est moi qui rêve. Allez, et ben ça a été beaucoup de baston, dis donc, dans cet épisode. La vache, quoi. Elle fait meuf. Enfin, oh, putain, c'était nul à chier. Oh, je fais des blagues de merde, en plus. Allez. Ah, un mec mort. Un trésor caché. Des plaques d'identification militaire. Je ne reconnais pas ce kanji. Est-ce qu'elle date de la Seconde Guerre mondiale? Et on découvre des objets absolument magnifiques, hein, qui vont se retrouver dans un musée et qui vont nous rapporter beaucoup de sous-sous. Hein. C'est les premières richesses de Lara Croft. Bon, là, il n'y a rien. Là, il y a un mec mort. On récupère les matériaux dessus. Et là, il y a un feu de camp et ensuite... C'est la tour radio. Donc on va prendre le feu de camp. On va surtout prendre le livre. Lisez, c'est bon pour la santé. Et on va se mettre sur le feu. Et on a le temps encore, donc on va améliorer les équipements. Le pistolet, parce que je l'aime bien ce petit pistolet. Augmente la précision et les dégâts. Parfait. Libère les balles plus efficacement qui permet d'augmenter les dégâts. Bon, allez. J'aime bien ce petit pistolet, donc je l'augmente à fond. Voilà. Parce que ce petit pistolet, ma foi, il gère bien. On va continuer du coup, hein. Bah, let's go. À la tour radio, c'est parti. Alors là, je sens que après le moment de baston épique, il va y avoir un moment d'escalade épique. Ok.
C'est parti. Wouah. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y arriver. Il va se passer un truc pas net. Genre l'échelle va se détacher. Je sens venir. Putain. M'en doutais. Je m'en doutais. C'est marrant, hein. Je m'en doutais. Ok. Par contre, alors là, mesdames et messieurs, le paysage. Les corbeaux aussi. Mais le paysage, hein. Non, mais retourne sur le paysage qui était magnifique. Quoique, les montagnes sont magnifiques elles aussi. Ok. Waouh. Waouh. Oh merde. Ok. Ça va aller. Oh, c'est une blague. Non, elle va pas vraiment faire ça. Oh, oh la vache. Ouais, je pense surtout qu'ils en ont rien à foutre, ils ont surtout envie de s'en sortir. On doit régler la fréquence. Oh super, un mini-jeu. Ok. Veuillez indiquer un état de la situation et vos coordonnées. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft, de l'Endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence, répondez. Répondez, allez. Mayday, Mayday, ici Lara Croft, de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. Vous commencez à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Ah, Lara Croft, t'es incroyable. Hé, hey, Reyes a même esquissé un sourire. Bien, mesdames et messieurs, c'est une histoire qui, ma foi, se termine plutôt pas mal, hein, on s'en est bien sorti. Et pour fêter dignement cette fin d'épisode, je propose qu'on fasse de la corde. Wouh. Génial. Bon, il nous reste encore un petit peu de temps, je propose qu'on avance. C'est sûr que c'était beaucoup plus pratique de descendre que de monter, hein. Alors, qu'il y a des trucs ici. Des cuves d'essence. Genre, tout était destiné, tu vois. Allez. Parfait. Il faut que je trouve un moyen d'enflammer ça. Alors, un moyen d'enflammer ça. Bioum. Alors là, il y a des munitions, mais nous, on est déjà plein. C'est bien, on est plein en munitions. C'est plutôt pas mal. On va voir s'il n'y a pas des... Je fais ça hein, pour voir s'il n'y a pas des...
matériaux. Parce que nous, on aime bien améliorer nos armes quand même, mine de rien. Bonjour, il y a quelqu'un? Ah! Ah! Oh, un allume-feu. Ah, c'est pas mal. Donc du coup, maintenant on peut allumer le feu quand on veut. Ah, ça c'est pas mal. C'est même plutôt très bien. Ok. Bon bah, bonne chose de faite du coup. Hein. Là, y a rien autour de nous. On va allumer le feu. Et puis, on va sortir de cette île. Hein? Au calme. GG Wellplay. Je vais peut-être m'éloigner. Je vais m'éloigner. Me voilà. Oh bordel. Non, mais what? Mais... Oh bordel. Ok, ça le fait, tout va bien, par là, par ici. Oh merde! Wow! Ok, c'est bon. Ouh! Nix! Oh, le vieux QTE dégueulasse. Oh merde, cours. Le pilote, je dois le retrouver. Eh bien, mesdames et messieurs, nous verrons le pilote dans le prochain épisode. Ah, putain, la déception, quoi. En 3 minutes, la fin du jeu vient de se propulser à la fin du cosmos. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, c'est vous qui faites vivre la Hirgle TV. Et d'ici là, n'oubliez pas... Enjoy de la Hirgle. C'était bien ce petit arrêt là juste avant le jeu. C'est magnifique. Wrong.